Monsieur Meyer, vous vous réveillez. Où je suis? Restez tranquille. Tout va bien. On s'occupe de vous. Je vais aller chercher le médecin. D'accord? Il va pouvoir répondre à toutes vos questions. Bonjour, monsieur Meyer. Je suis ravie de voir que vous reprenez connaissance. Et qu'est-ce que je fais là? Vous avez eu un grave accident de moto. Mais on peut dire que vous en sortez assez bien. Et pourquoi je suis attachée? Écoutez, moi je ne suis que votre médecin. Vous ne vous souvenez vraiment de rien? Non. Non, tout est vague dans ma mémoire. Je vois des lieux, des images, mais c'est tout. Est-ce que vous pouvez au moins me donner votre nom? Jack. Bien. Vous semblez souffrir d'une amnésie partielle, monsieur Meyer. Ça pourrait être grave? Rien d'alarmant. Vous savez, c'est assez courant après un accident comme le vôtre. Mais je ne m'inquiète pas. Votre mémoire est déjà revenue en partie. Oui, mais c'est ça avec monsieur Meyer, s'il vous plaît. Lieutenant Broussard, police judiciaire de Mété. Écoutez, je n'ai pas encore fini d'examiner mon patient. Je vous ai pourtant entendu donner votre diagnostic, non? Si, mais... Donc votre boulot s'arrête là. Je suis surpris de voir que vous sortez du coma avec une amnésie. Oui. L'accident a dû être impressionnant. Le médecin a dit que j'avais beaucoup de chance. Je me suis mal exprimé. Ce que je voulais dire, elle tombe bien, cette amnésie. Et qu'est-ce qu'on me reproche? Vous n'en avez aucune idée. L'accident, c'est de ma faute. Il y a des morts, il y a des blessés. Un seul blessé, vous? Alors, tout va bien. Pourquoi vous acharnez encore sur mon cas? J'étais ivre, j'ai battu des records de vitesse. La moto, vous savez à qui elle était? Mais pas à moi, je présume. Effectivement, vous n'avez même pas le permis. Alors à qui? À votre père. Alors moi, je l'ai pas volé. Vous savez, si c'était pour un simple vol, j'aurais pas fait le déplacement. Si j'ai bien compris, vous n'êtes pas là pour enfiler un PV, ni pour vous assurer de mon état de santé. Alors, il vous reste deux possibilités, monsieur Broussard. Lieutenant Broussard. Soit vous êtes quoi, m'inculpé, soit vous n'avez pas de preuves, et dans ce cas-là, vous pouvez quitter cette pièce tout de suite. Pour l'instant, je peux rien prouver. Alors, j'ai plus besoin de ça? Ne vous méprenez pas. Deux preuves sont en cours d'analyse. Je reviendrai donc très bientôt. En attendant, je vous laisse entre de bonnes mains. Apparemment, c'est pas votre premier accident. Il va falloir prendre un point plus soin de vous. Faut se barrer, elle est où la caisse? Qu'est-ce que t'as foutu? Ils t'ont chopé? Wow! Hein? Tu m'entends? Quoi? Ils t'ont attrapé? Non, non, bien sûr que non. Ça va? Oui, t'inquiète, je me suis juste paumé dans la forêt. C'est rien, mon pote, on a réussi notre coup. T'as pris le fric dans le coffre? Ouais, j'ai rien laissé.
savez ce qui différencie un bon d'un mauvais cambrioleur? Les mauvais se font choper, pas nous. Et ça suffit. Ouais. Et ne pas passer 5 prochaines années derrière les barreaux, ça te parle? Quoi? Mais personne nous a suivis, ils remonteront jamais jusqu'à... Et l'alarme? Là, vous avez de la chance, mais la prochaine fois, ça servira à quoi tout ce fric une fois en tôle? On est désolé, Paul. On fera plus attention. Bien. Et j'espère qu'il en est de même pour tout le monde. Prochaine connerie. Vous dégagez. Et qu'est-ce qui nous attend pour la prochaine? J'en ai marre de préparer des coups pour gagner presque rien. Pas vous. On va viser plus haut. Plus haut? C'est-à-dire? On va braquer des commerçants. Ce sera 10 000, 20 000, 30 000 balles d'un coup. Je vous offre votre avenir. Pas derrière les barreaux. Ouais, la réalité en face. Toutes ces bandes organisées qui touchent des millions. Ouais. Et ils finissent tous assassinés ou en tôle. Tu crois qu'on a le choix à laisser passer cette opportunité? Cette ville voit tous les jours de nouvelles bandes. Le braquage se fera avec ou sans nous. Non, c'est trop brutal, il faut. De toute façon, la décision est prise. Alors, tu seras des nôtres? Évidemment. Très bien. On se voit bientôt. Je vous recontacte. Bon allez, moi je vais te dire. Je te raccompagne, Céline. Ça va aller, je vais marcher. Ok, allez, ciao. Ça va, t'es pas blessé? Non, ça va. Ça m'embêterait qu'il t'arrive quelque chose. Ça va, je te dis. Alors, tu vas rembourser toutes tes dettes avec ce fric? Depuis que je suis revenu chez mes parents, j'ai plus de dettes. J'ai plus rien. Super. Tu vas pouvoir profiter à fond du fric. J'en ai pas besoin. Tout le monde a besoin de pognon. Sinon, pourquoi tu ferais ça? Je pense que je recherche plutôt les sensations fortes. Enfin, je sais pas. Il y a des parcs d'attractions pour ça. Tu comprends pas, c'est pas grave. T'oublies ta part. Je te la laisse. Tu vas me filer ton fric? Oui, oui, je te dis, garde-le. Tu te prends pour Robin des Bois? Robin des Bois vole aux riches pour donner aux pauvres. Moi, je vole aux riches pour donner aux cambrioleurs.
retour sur les ondes pour parler du justicier masqué, car certaines personnes pensent que le Némésis est une invention du gouvernement pour cacher des actions policières répréhensibles. Mais qu'il soit à la solde du gouvernement ou agissant pour lui-même ou pour un groupe quelconque, il semble qu'il soit impliqué dans plusieurs affaires pour le moins étranges. S'il est vrai que la plupart de ses actes appellent à la justice, nous ne connaissons toujours pas ses réelles intentions. Alors allez-y, appelez-moi, donnez-moi votre avis sur le Némésis. Tu n'as pas tenu ta promesse. Tu aurais dû rester à l'écart de tout ça. Ne vous en faites pas, Jack. Tout ira bien. Fermez les yeux. Ne regardez pas. Pensez à tout ce que l'on s'est dit. Vous n'êtes pas très inspiré aujourd'hui? Pourquoi cet état apathique alors que vous êtes plein de passion? Plein de passion? Durant toutes ces années à vous écouter, il se pourrait bien que j'ai retenu une ou deux choses. Vous avez déjà évoqué vos ambitions, votre envie de vous exprimer dans ce monde. Je sens qu'un nouveau chemin se dessine devant moi, que je ne pourrais pas m'en détourner. Est-ce une mauvaise chose? Je sais pas. Je sens comme une angoisse au fond de moi. De quoi angoissez-vous? De m'éloigner des personnes qui me sont chères. Pouvez-vous m'en dire davantage? Une matière. Je sens que je pourrais plus faire marche arrière. Quoi qu'il arrive, Jack, sachez que vos amis font partie de vous. Ne vous perdez pas seul sur ce nouveau chemin. Tu te fous de moi? Je t'ai déjà dit 1000 fois que tu pouvais pas venir ici. Mais tu réponds jamais au téléphone, comment je fais pour te joindre, moi? Pas ensemble, merde, j'ai pas de compte à te rendre. Pourquoi tu restes avec ce mec? Je crois que c'était fini entre vous. Je te l'ai déjà dit, on sort plus ensemble, il m'héberge juste. Mais tu peux partir, viens, viens chez moi. Chez toi? Ce serait trop bizarre, tu vis encore chez tes parents. Enfin, désolé, mais... Mais ça les dérangerait pas. C'est pas ça. C'est parce que ton coloc taffe pour Paul, t'as peur. Putain de merde, mais mène-toi là. Bon, faut vraiment t'y aller. Si tu reçois encore des gars quand je suis pas là, tu te casses, toi. Elle dit pour rien, je me sens pas bien. Tu bosses pour Paul, toi? C'est ça? Ouais, pourquoi? Parce que si tu repasses encore à l'improviste comme tu le fais, là, tu risques de perdre bien plus que ton boulot. Ton boulot, c'est clair, ça? Je suis pas venu chercher les embrouilles. Je te reconnais plus. Belle référence. Fais tout ce que je peux pour t'impressionner. Tu pourrais faire mieux que me balancer des répliques de films, tu sais. Comme quoi? Je sais pas, t'as souvent au club. T'as les capacités de tous nous mettre KO ici, et tout ce qui te manque, c'est un peu de technique. Je vais y réfléchir. Bon, allez, on va bouffer un grec, j'ai faim. Le vigile quitte son poste à midi. Il revient 10 minutes plus tard. Tout le monde à terre! Dépêche-toi! C'est à ce moment-là qu'il faudra attaquer. Je vous reprends dans 2 minutes.
Mets-moi la caisse, toi. Amène-toi, là, putain. Police. Quoi? Mais c'est pas grave, Céline. Non. Écoute, ils ont des flingues là-bas, il faut qu'on se casse, alors bouge. Je suis désolé. T'as de la chance, gamin. Ah ah. Nous voici donc devant l'établissement qui aurait subi l'assaut d'un gang organisé. On ne compte plus le nombre de commerces dévalisés dans Mété et sa périphérie. Plus tôt dans la soirée, un passant qui n'a pas voulu témoigner à l'antenne affirmait qu'il n'hésiterait pas à faire la police lui-même si celle-ci n'agissait pas rapidement. Malgré la détermination des forces de l'ordre, les braqueurs se seraient enfuis en utilisant des fusils d'assaut. Toutefois, la police n'a divulgué aucune information pour le moment. On le voit donc, la situation est très tendue dans ce quartier de Mété. Alors, on a l'air un peu préoccupé ce que je vois. Le remords peut-être. Je vois pas du tout ce à quoi vous faites allusion. Bien dommage. Heureusement, vous n'aurez sans doute pas besoin de parler. Si je pouvais savoir quoi vous m'accusiez. Je vais voir ça, Luma. Ça passe sur toutes les chaînes. Difficile de passer à côté. Ministre de l'Intérieur. Tout porte à croire qu'il s'agirait d'un règlement de compte envers le ministre. Mais des témoins affirment avoir vu le Némésis sortir de la salle des fêtes juste après les coups de feu. Comme toujours, difficile de dire s'il agissait pour une cause personnelle ou non. Toujours le blackout total. Je comprends que vous m'accusez de la tentative de meurtre sur le ministre. C'est pas mal. Vous pouvez presque me remplacer. Et pourquoi vous vous acharnez comme ça? J'ai juste eu un accident de moto.
J'ai même pas encore recouvré mes esprits, vous m'agressez avec des choses qui me concernent pas. Et vous vous posez pas de questions sur les circonstances de votre accident? Bizarre que vous ne cherchez pas à savoir, non? Faut surtout que vous êtes en panne sèche sur cette affaire, et que vous avez trouvé un petit amnésique pour lui faire porter le chapeau. Votre ténacité ne vous sauvera pas. J'ai une analyse de sang en cours et un témoin qui est prêt à identifier la personne qui se trouvait sur les lieux. Les preuves vont tomber, et vous avec. Nous venons d'apprendre que la fusillade aurait fait 3 victimes, dont une petite fille âgée de 7 ans. Est-ce que tu te rends compte dans quel état j'étais quand tu m'as laissé? Je suis désolé. Quoi? C'est tout? T'es désolé et moi je dois plus rien ressentir? Je pensais que je pouvais... Quoi? Que tu pouvais quoi? Que tu pouvais retourner sur les lieux du braquage et jouer les super-héros, c'est ça que tu croyais? J'ai pas dit ça. Non. Mais t'aurais pu mourir là-bas. Est-ce que t'as pensé une seule seconde à ce que les autres auraient pu ressentir? Et tout est allé si vite... Tu fais vraiment chier. Tu pourrais pas être comme tout le monde un peu, ce serait tellement plus simple. Je vais te dire quelque chose, Jack. On n'est pas dans je sais pas quel film de super-héros et on peut rien faire dans ce monde pour aider les autres. On est tous là pour prendre notre part du gâteau. Mets-toi bien ça dans le crâne. Je suis désolé. J'ai été stupide. Je pensais que je devais agir pour eux, mais j'ai failli y rester. Redescends un peu sur terre. Je te connais, je sais que tu voudrais changer le monde, te rendre utile, mais tout ça c'est un peu comme... Comme un rêve d'enfant. T'angoisses à l'idée de pas pouvoir tout contrôler, mais tu peux rien faire face à la mort ou à la violence. Et les autres savent? Non. Ils pensent que tu t'es enfui. Merci. Si tu faisais pas toutes tes conneries, j'aurais pas à te couvrir. Je veux pas compromettre les plans de la bande. Ils seraient capables de se retourner contre nous. D'ailleurs, certains se posent des questions sur toi. Ils se demandent si tu vas pas tout faire foirer pour le prochain braquage. Tu seras là? Bien sûr. Je te lâcherai pas. Forcément là qui refourgue la marchandise. Demain, à s'éclater la gueule.
Tu m'as pris tes genoux. Merci, mais... Mais t'es qui, toi? Regarde. Allez. Bim, Pichao. Putain, mais c'est encore du cul, là. Non. Ça, mon gars, c'est l'expérience. Une dernière. Ok, mais après, je vais m'entraîner. Tu vas t'entraîner? Ouais, à la salle. Mais non, parce que... Je me disais que tu pourrais... Enfin, on pourrait s'entraîner ensemble. Mais grave, on serait au club. Enfin, je voulais dire justement pas au club. Je veux pas que ça se sache, en fait. Tu veux que moi je t'entraîne? Ouais. Tu sais que si tu n'étais pas mon pote, ce serait grave bizarre. Mais ça me plaît, ok. Bon, allez, cette fois, c'est moi qui gagne. Alors, comment allez-vous depuis notre dernière séance? Bien. Bien. Pouvez-vous m'en dire plus? Avez-vous repensé à ce dont nous avions parlé? Avez-vous pris au moins le temps de faire des choses positives comme vous désiriez le faire? Des choses positives? Vous savez, des fois, les choses arrivent comme elles arrivent. Vous réagissez sans savoir si c'est positif ou pas. Oui, c'est juste. Enfin, le tout est de savoir si ce que l'on fait est positif au moment où on le fait, vous ne trouvez pas? Vous voyez, il y a quelques jours, il s'est passé un truc. J'ai fait sur le moment ce qui me semblait être juste, mais à l'arrivée, que du négatif. Négatif pour qui? Pour tout le monde. Alors peut-être il vaut mieux prendre le taureau par les cornes et agir. Ça éviterait que ces foutues choses arrivent. Bien, très bien. Que voulez-vous faire? Travailler? Reprendre des études? Vous savez, beaucoup de jeunes partent faire de l'humanitaire. Hein. C'est très enrichissant. Non. Non, non. Apprendre, gagner de l'argent, donner aux pauvres. Ça rime à quoi si le système reste le même? Je me rappelle d'un mec qui disait que les penseurs ne font qu'interpréter le monde. Alors que ce qui importe, c'est de le transformer. C'est Marx qui a dit ça. Personnellement, je préfère Bergson. Il disait qu'il vaut mieux agir en homme de pensée et penser en homme d'action. En quelque sorte, réconcilier les idées et la réalité. Mais vous n'avez jamais fait quelque chose sans savoir pourquoi vous le faites? Sans penser aux conséquences? Vous ne savez pas ce qui vous pousse, mais vous savez que vous irez jusqu'au bout. Comme un instinct? Oui, c'est ça. Comme un instinct. C'est bon? Tu vas pouvoir revendre tout ça? Ouais, il y a pas mal de camés dans le coin. On pourrait partir vite. T'es qui toi? Allez, pars-toi de là! T'as envie d'écouter ce qu'il dit là, il va pas plaisanter avec toi lui. Quoi? C'est ça que tu veux? Bougez pas, je vais me le faire. Tu vois que tu vas prendre la cave sans payer là? Déconne pas mec! Thank you.
crois que tu peux voler la marchandise? On va te retrouver, on va te faire la peau! Pourquoi tu fais ça? Et toi, pourquoi tu fais ça? Jacques, ramène-toi, ça fait 10 minutes que maman t'appelle pour bouffer. Tu t'es pris pour Bruce Lee ou quoi? Mais dégage, Marion! La prochaine fois que tu rentres sans frapper, c'est moi qui te frappe. Oulala, j'ai peur. Tu vas me faire quoi? Ton super coup de coude? Ok, d'accord, sors, j'arrive. Ok, mais dépêche. Hein. Son mode opératoire est très reconnaissable, car d'après la police, des fois à l'avance, il s'attaque au flanc pendant très longtemps et disparaît ensuite sans laisser aucune trace, ni cheveux, ni encre. Dans tous les cas, nous avons vraiment les infiltrés. Je voulais vous parler de quelque chose. Je pense qu'il est grand temps que j'emménage tout seul. Tout seul? Mais avec quel argent? Un travail, ça se trouve. On va peut-être commencer par chercher. De toute façon, je vais pas rester éternellement ici. Mais tu as déjà essayé d'avoir ton propre appartement. Et tu es revenu très vite, hein? C'est différent maintenant, j'ai une mairie. On te fait confiance, hein? Mais on veut juste te mettre en garde. Dans tous les cas, c'est parce que tu veux emménager avec cette fille? C'est pour ça que c'est si soudain? Voilà, j'arrive jamais à retenir son nom. Mais je vais pas emménager avec elle, de toute façon elle habite déjà avec quelqu'un. Mais oui, mais c'est son ex, et puis c'est juste le temps de retrouver un taf. Parce que les jeunes sont obligés de faire pour lui. Tout est hors de prix. Alors pourquoi vous avez jamais cherché à partir d'ici alors? Est-ce que tu crois qu'ailleurs c'est mieux? Ça peut pas être pire qu'ici. De toute façon, je partirai pas sans avoir trouvé un boulot. L'un d'eux est actuellement à l'hôpital. Vous avez assisté à la scène? Vous savez, j'ai pas vu grand-chose. Le mec était dans le nord et il portait une capuche. Il y en a qui disent qu'il était venu pour voler la drogue des dealers. Mais moi, je sais ce que j'ai vu. Il a pris la drogue et l'a jetée dans les égouts. L'homme aurait bien jeté la drogue dans les égouts, mais pourquoi aurait-il fait ça? Vous savez, s'il y a tellement de fêlés, moi, ça m'étonne même plus. Cela n'est pas sans rappeler ce qui s'est passé la semaine dernière dans une des ruelles de Mété. Un homme portant un casque de moto serait intervenu lors d'une agression et aurait envoyé les deux agresseurs à l'hôpital. S'agit-il du même homme? D'un marginal enquête d'action? Ou bien d'un règlement de compte entre deux gangs? Quoi qu'il en soit, une enquête a été ouverte. La violence engendre la violence. Tous ces mafieux veulent leur part du gâteau, pour ça ils sont prêts à s'entretuer. Que fait la police? On se demande. C'est peut-être pas un mafieux. C'est peut-être juste quelqu'un qui veut faire bouger les choses, je sais pas. Changer les choses? Mais qui s'engage dans la police? La police. Les forces de l'ordre. Les gardiens de la paix. Et où est l'ordre? Où est la paix? Les gens débattèrent sans arrêt sur l'insécurité, les bandes organisées. Et qui bouge? Personne. Est-ce que tu crois qu'on peut changer tout ça avec un casque et trois coups de poing? Pourtant, j'en connais un qui a fait respecter l'ordre avec des claques et des fessées ici. Je vais te dire, cet homme, qu'il ait de bonnes ou de mauvaises intentions, il vaut pas mieux que les gens qu'il combat. Il y a des lois dans ce pays, des lois qui nous protègent. Seule la justice peut décider de punir tel ou tel individu, pas un homme seul. Mais si le peuple est en colère et qu'il veut faire bouger les choses, il peut rien faire, c'est ça? Mais bien sûr que si, pourquoi tu crois qu'on vote, qu'on manifeste dans les rues? C'est ça les armes du peuple. Des armes du peuple ou des jouets pour enfants? Tu finis pas ton plat? J'ai pas faim.
Tilly. Qu'est-ce que tu fais là? Faut que je te parle. Je suis déjà en train de parler à mon cours de boxe. T'as bien 5 minutes? Et toi, t'as pas 5 minutes pour répondre au téléphone? T'as 2 minutes. Je quitte la bande. Ah bon? En faisant encore partie? Je suis sérieux, Céline. Qu'est-ce qui t'arrive, t'as peur? Oui, peur d'être engagé sur une mauvaise voie, peur de pas faire les bons choix. Qu'est-ce que tu racontes? Y a pas de bon choix ou pas à faire, on est bon qu'à ça. Donc braquer le pauvre commerçant, ça te dérange pas? Mais qu'est-ce que c'est que cette putain de prise de conscience? Reviens un peu à la réalité. On est du mauvais côté, c'est comme ça, faut l'accepter. Ah, c'est ça pour toi la vie, une simple fatalité? Ouais. Tu peux pas sauver le monde, tu peux pas aider les gens. Alors arrête de faire chier avec tes putains de remords. Écoute, t'as essayé d'avoir une vie normale. T'as pas réussi. Tu t'es tourné vers Paul, et maintenant tu flippes. Oui, je sais que t'aimes les bad boys, mais moi, oui, je flippe. Je comprends. T'abandonnes pas les gens comme ça. Et puis tu sais trop de choses. J'en ai rien à foutre de Paul et de ses larbins. Fais comme tu veux, je m'en fous. Quitte la bande avec moi. T'as pas à me dire ce que je dois faire. Si tu continues comme ça, c'est la tôle qui t'attend. Tu fais chier, ta vie. Faut pas les écouter. Ils savent rien sur ta mère. Elle t'a pas abandonné. Si t'as été adopté, il y a forcément une bonne raison. Est-ce qu'il y a une bonne raison pour abandonner ses enfants? Je sais pas. J'ai tellement peur. Je t'abandonnerai pas. Crois-moi, Céline, je t'abandonnerai jamais. C'est moi qui vous amuse? On se voit? On se connaît. Audrey. Jack. Donc, c'est moi qui t'amuse? À moins que tu ne sois ici pour des troubles paranoïaques, c'est bien toi qui m'amuse. Oui. Non, t'as rien à craindre. Je suis susceptible, mais je me soigne. Sinon, t'es là pourquoi? Dis donc, t'es cache-toi. Je suis en obligation de soins. J'ai découpé un mec sur une planche et j'ai l'enveloppé dans du cellophane. Et là, je viens de sortir de prison pour bonne conduite. Et toi, t'es là pourquoi? Je drague des inconnus dans des lieux insolites. Je les ramène chez moi et une fois qu'ils sont dans mon lit, je sens mon pic à glace. Jack, c'est à nous. Attends.
J'ai beau essayer, je me souviens de rien qui fasse de moi un meurtrier. Je peux vous poser une question? Admettons que je vous crois, que ce soit pas vous. Vous pourrez peut-être m'aider à cerner le profil du Némésis. Si vous voulez mon avis, il faut se concentrer sur le mobile du gars. Au fait, où en sont les analyses de M. Meyer? Je vais aller voir. Le mobile, oui, évidemment. Le mobile. Le problème, c'est que je vois pas pourquoi on s'en prendrait à ce pauvre ministre. Ça n'a aucun sens. Non, il faut fermer le dossier. Vous êtes vraiment passé maître dans l'art du double jeu. Un autre Jack se cache en vous. J'ai tort? On joue tous un double jeu. Je pensais que pour un oui. Ah mince. J'ai été démasqué. Va falloir rouvrir le dossier. Le problème, c'est que vous vous fiez qu'à vous. Vous avez même écarté votre adjointe pour pas qu'elle ne vous gêne. Moi aussi, j'étais démasqué. C'est vrai que je joue solo. Tout ce que je veux, c'est la vérité et la justice, à n'importe quel prix. À n'importe quel prix. C'est un petit peu la méthode du Némésis, ça, non? Non, c'est pas. Allô, ma puce? Comment ça va? Mais vous savez qu'un aveu vous coûterait moins cher? Pareil. Vous avez l'air de prendre ça à la légère, mais les charges contre vous sont lourdes. Je suis toujours présumé innocent. Je m'inquiète pas. Ah, au fait, vous pouvez m'éclairer sur ce symbole? Quatre quarts. Aucune idée. Non, ne rentre pas toute seule, Alex. Non, Alex. Je peux vous poser une question? Vous êtes vraiment prêt à tout sacrifier pour votre boulot? C'est pas besoin. J'ai eu le labo, il nous appelle dès que les résultats sont prêts. Et ça, c'est quoi? Vous avez loupé le dernier épisode où je disais... Aucune idée? Ah oui, l'amnésie, hein. Bougez pas, rien. Je crois avoir vu une réaction sur son visage quand je lui ai montré. Vraiment? T'aurais dû attendre que j'arrive. J'aurais voulu juger par moi-même. Je pense qu'il sait ce que ça signifie. Mais bien sûr qu'il sait. Je vais prendre une bière, s'il vous plaît. Pardon. Un rouge pour moi. Et une menthe à l'eau. Très bien. Oui, donc le gars qui tape sur les voyous, c'est ça? Ouais, il a l'air plutôt gentil et... sexy sous ses airs, le gentil bad boy. Oui, puis un petit câlin avec lui, je dirais bah non. Attendez, vous kiffez vraiment ce Batman des bacs à sable? Oh, sois pas jaloux. Jaloux de ce bouffon? Il a un idéal et... c'est quoi un jeu? De quel idéal tu parles? Le mec, il cherche juste à se faire remarquer, à ce qu'on parle de lui. Il a un problème d'égocentrisme, de narcissisme et de reconnaissance. Faut
faut qu'il aille voir un psy, hein. Oh, on s'en fout. Je suis sûre qu'il est beau. En tout cas, s'il avait été là pendant le braquage du centre commercial, il n'y aurait pas eu de mort. Oui, j'en ai entendu parler. La petite de 8 ans, c'est horrible. Mais d'après les infos, c'est la faute d'un passant qui a soi-disant voulu la sauver. Sérieux? Comment tu peux essayer de sauver quelqu'un qui finalement tu laisses pour morte? Ça tient pas debout. C'est clair. Mais les flics sont à sa recherche. Ça veut dire que les parents ont porté plainte contre X pour homicide involontaire. Mais du coup, en gros, il a laissé pour morte. C'est un délai fuite. Et ils étaient où les parents pendant ce temps-là, hein? C'est contre eux qu'on devrait porter plainte. Hein? Jack? Ah oui, je pense que le pauvre type y est pour rien. Il voulait bien faire, c'est tout. C'est ça le problème. Il a mal fait. Je suis sûre que ses parents ont porté plainte pour se donner bonne conscience. Pas vrai? Je suis sûr que c'est plus facile de décharger sa responsabilité sur les autres. Ça évite de trop nous salir. La vérité, je crois, c'est que ces gens méritent même pas qu'on les aide. Ils se servent de la justice comme un palliatif, un tribunal de leurs émotions. Ouh là là, je suis triste, je suis mal. Je suis une pauvre victime. Et le coupable, c'est l'autre. C'est toujours l'autre. N'importe qui, ça fera l'affaire. Ils se rendent même pas compte qu'ils sont leurs propres bourreaux. Parce qu'à force d'accuser les autres, on ne fait rien pour avancer et pour protéger nos intérêts communs. Je veux dire, tant qu'on se prendra pas en main et tant qu'on ne prendra pas conscience de nos propres failles, on vivra toujours dans cette société où règne la parano. On se trompera toujours de cible encore et encore, on trouvera des boucs émissaires pour mieux asseoir notre innocence, alors que des enfoirés sans vergogne profitent réellement du système. Ils passent incognito et on les laisse faire. Cette impunité totale leur donne un sentiment de toute puissance. Et c'est de notre faute à tous. C'est chacun d'entre nous qui doit se demander si il fait ce qu'il faut pour éviter le pire. Alors après, si ce gars a bien agi ou pas, je crois que c'est vraiment au-dessus de nos compétences. Ou plutôt, ça ne résoudra pas le vrai problème. Au lieu d'accuser autrui, il faut mieux se sentir responsable des autres, parce qu'au fond, qui peut décider de... De qui a tort ou qui a raison? Mais si je peux me faire virer. Chut. Chut. Ok, je resterai pas longtemps. Eh ben c'est sympa ici. Ça me coûte presque rien. Et qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Tu vas repasser ton bac ou... Non. Ça me servira à rien. Non, je vais trouver du boulot. Ouais. Ouais, t'as raison. Chut. Mais du coup, toi, tu vas faire quoi? Bah, je pense que je vais pareil. Ouais, je peux quelque chose pour vous? Tu as entendu le bruit?
Ouais, je parle toute seule. Bah, bonne journée. Faut vraiment que tu files. Ouais. Bon, en tout cas, je suis content pour toi. C'est le début d'une nouvelle vie. Oui, merci. Ça va bien se passer, t'inquiète pas. C'est facile pour vous. Hein. Je suppose que vous n'avez pas de gosse ni de dette. Et si je pars, c'est pour aller où? Ton gentil mari va bientôt se réveiller. D'ici là, je ne peux plus rien pour toi. Bon, cette fois, pas de conneries. Je ne veux pas d'un nouvel échec. C'était pas vraiment notre faute. D'autres gars sont passés devant nous. Mais je me contenterai pas d'être second. Ce coup-ci, ça ira. C'est qu'une petite épicerie. On sait que le patron retire le fric de la caisse une fois tous les 3 jours. Il y a même pas besoin d'être à plusieurs. Eh, le patron habite au-dessus. On ne sait jamais. Ouais, mais nos armes sont même pas chargées. Tu veux que ça dérape comme à la bijouterie? Et toi? Pour un mec qui se fait appeler le requin, tu te mouilles pas beaucoup. Donc ce coup-ci, tu viens avec nous. Bien. Tu superviseras l'opération avec Céline. Et après cela, on ira rendre une petite visite à Jack. C'est pas la peine. Il avait pas sa place dans la bande. On sait qu'un loser. Et s'il nous dénonce? Il aura pas les couilles. Bon, on n'avait pas quelque chose à faire. Eh bien, c'est l'occasion de nous prouver ce que tu vaux.
Je vous reprends dans 5 minutes. Maniez-vous le cul. C'est ok pour moi. Dépêche, le vieux dort. Dans cette tenue. À ton avis. Dis-moi que je rêve. Pourquoi tu fais ça? Parce que le monde dans lequel tu vis, ça satisfait. Plein délire, là. Je pensais que t'avais eu ton petit cas de conscience en quittant Paul. Mais pas que t'étais en train de perdre la boule. Je suis en train de perdre la boule. Une gamine se fait descendre par un taré sans raison. Et qui est-ce qui s'en préoccupe? Mais laisse faire les flics! Le problème est beaucoup plus profond que ça. La société est pourrie de l'intérieur, parce que des gens comme toi l'alimentent. On sera jamais d'accord. Mais ce que je sais, c'est que si tu continues, tu vas aller vers la mort. Je préfère te savoir en tôle plutôt que 6 pieds sous terre. Ça ne fait pas peur. Et ça regarde que moi. Mais arrête de te cacher derrière tes airs de justicier solitaire. Tellement peur de la mort que tu veux te sentir invincible. Tu veux la défier. Tout ça, c'est ridicule. D'où viennent les ordres que reçoit Paul? Est-ce que tu crois que je vais te le dire? Pour que t'ailles te faire buter? D'une manière ou d'une autre, je trouverais. Tu me faciliterais la tâche à m'en dire un peu plus. Je sais pas exactement qui est le mec. Paul travaille maintenant pour une sorte de board organisé. Qui a la main mise sur les commerçants. Ceux qui payent pas se font braquer le coup sur eux. Et ce sale boulot est refilé à des bandes comme la nuit. Et tu n'as aucun scrupule. Fais ton boulot et laisse-moi faire le mien. Si tu veux me livrer, c'est l'occasion. Vous avez vu qui c'était? Vous avez vu son visage? Vous avez vu son visage? À l'instant que le ministre de l'Intérieur, Monsieur Lannister, est en train de tenir une conférence de presse sur la sécurité urbaine. Nos confrères sont sur place. Bonjour à toutes et à tous. Nous n'allons pas passer par 4 chemins. La situation est critique. Les commerçants sont exaspérés. Et ils ont raison. La population a peur et on la comprend. Il nous faut donc réagir au plus vite. La police est déjà sur le terrain. La justice est à l'œuvre. Une enquête a été ouverte pour retrouver ce délinquant qui se fait passer pour un justicier. Je tiens à rappeler qu'il n'y a qu'une seule justice dans ce pays. Et c'est celle de la République. Et la République n'autorise personne
à se faire justice soi-même. Seule la police et les magistrats ont la légitimité pour appliquer la loi et débarrasser la société de ses problèmes. Je vous remercie de votre attention. Bonne soirée à vous. Nous recevons ce soir sur notre plateau nos spécialistes en politique et autres questions sociales. La justice est-elle une affaire d'État ? Et une autre question plus terre à terre, ce personnage de justicier tel qu'on se plaît à l'entendre, vous paraît-il si dangereux que ça ? Monsieur Giraudeau. Je répondrai oui aux deux questions. Tout d'abord, il faut rappeler que seul l'État et donc ses représentants est habilité à recourir à la force pour maintenir l'ordre et appliquer la loi. De toute évidence, ce pseudo-justicier n'a aucune légitimité pour faire la loi ou appliquer la justice. Oui, je suis tout à fait d'accord avec Monsieur Giraudeau. Il est même impliqué dans ce dernier braquage, ce qui prouve manifestement qu'il est un hors-la-loi. Alors, selon vous, il serait dangereux ? Je pense effectivement qu'il est très dangereux pour la société et spécialement pour la jeunesse. Plus dangereux que ceux qu'il combat dans ses vidéos ? Oui, bien plus dangereux. Et vous faites bien de parler de ces vidéos. Il faut voir combien de fois ces prouesses de pseudo-justifiés ont été partagées sur Internet. C'est colossal. Et c'est en cela, je crois, qu'il est dangereux pour l'ordre de la cité, parce qu'il n'obéit pas au code de la démocratie et qu'il corrompt la jeunesse. Non, moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout l'événement dont vous avez parlé tout à l'heure, à savoir l'émulation qu'il génère dans notre société, et spécialement chez les jeunes. Ils ont vraiment ce souci de justice. Bah, d'ailleurs, le phénomène du justicier sur Internet montre bien qu'il y a un désir de justice très fort dans notre société, et un désir qui n'est pas satisfait. D'accord pour le phénomène médiatique, c'est d'ailleurs le sujet de notre débat ce soir, mais sur le fond du personnage, son action, qu'en pensez-vous ? Là, la question, ce n'est pas de savoir si c'est un hors-la-loi et le bannir. Non, là, la question, c'est de savoir s'il a raison d'être hors-la-loi. Ou si vous préférez, si c'est un bon hors-la-loi. Mais non, aller dire ça dans un tribunal, c'est un bon hors-la-loi. Ça n'a aucun sens pour un juriste. Vous êtes vraiment chez les bisounours, madame. S'il vous plaît, laissez-la finir, madame Baroni. Merci. Vous savez, votre personnage de pseudo-justicier, comme vous dites. Eh bien, moi, il m'évoque une figure mythologique très forte. La déesse de la juste colère. Et elle représenterait aujourd'hui ce qu'on pourrait appeler l'indignation devant ces injustices, le désir de corriger les inégalités. Or, je ne vois pas en quoi cela est dangereux. Au contraire. Et vous savez, la jeunesse ne se trompe pas. Si elle voit en lui un modèle, il faut l'accepter. L'histoire a maintes fois prouvé que la politique institutionnelle avait ses limites et que les sociétés civiles pouvaient changer les choses à leur façon. Vous n'allez quand même pas comparer ce justicier à Che Guevara ou à Gandhi. C'est complètement ridicule, madame. Bonsoir. Bonsoir. Je vous sers quelque chose ? Je vais vous prendre une boîte de café. Ça marche. C'est joli comme endroit. Ouais, ça va. C'est vous le patron ? Ouais, c'est moi. Et ça va, les affaires en ce moment, pas trop bien ? Vous savez, ça dépend du jour. Monsieur Duplessis, votre avis, cet homme est-il dangereux et peut-il faire la justice comme il le fait ? Écoutez, je crois que mes camarades ont tous raison. Chacun à leur façon. Et il va de soi qu'il y a un certain danger à ce qu'un hors-la-loi soit pris pour modèle. Mais cela n'est vrai que si la loi est bonne et bien appliquée. Est-ce qu'un hors-la-loi, en 1940, sous le régime de Vichy, est dangereux ? Est-ce que ce même hors-la-loi est toujours hors-la-loi en 1946, sous la 4e République ? Nous voyons bien que le cadre institutionnel que vous défendez tant est faillible et qu'il ne suffit pas à corriger toutes les inégalités ou à éviter les injustices. À vous entendre, si le régime est insuffisant, on peut se faire justice soi-même. Je crois que si chacun y mettait du sien, simplement en unissant nos voix de simples citoyens, eh bien, nous pourrions régler beaucoup de situations qui ont dégénéré par laxisme ou un laisser-faire ambiant. Alors, tout le monde est responsable, l'union fait la force, mais n'est-ce pas un peu éculé et utopique ? Mais c'est justement parce que les gens pensent que c'est utopique que les gens laissent faire. Mais à notre échelle, on a tous les moyens de rendre la justice et de faire la police. J'en suis
convaincu. Merci, je crois que nous avons compris où vous voulez en venir. Eh bien, merci à tous pour vos analyses et vos éclairages. Nos auditeurs auront de quoi réfléchir, notamment sur cette figure mythologique dont vous parliez, Madame Baroni. Oui, la déesse de la juste colère, Némésis. Je t'ai déjà dit 1000 fois de pas prendre la moto. T'as pas le permis. C'est dangereux. Tu radotes, papa. Ton oncle est mort sur la route. Je sais. C'est pour ça que tu laisses pourrir sa moto sous une bâche. Vous, mais je suis innocent, je suis en honnête homme. Allez, me faire du prix sa protection auprès d'une mafia. Quoi? Mais on n'a pas le choix. On a toujours le choix. On revient, vous n'avez pas de famille à nourrir. À qui donne le fait? Je sais pas, je les connais pas. Ah non, une adresse. J'ai tous les mardis prendre l'argent, je vous jure. Si vous voulez changer les choses, prévenez les autres commerçants et dites-leur d'arrêter les payer. Vous ne devriez pas faire ça, ils plaisantent pas. Bonjour. Bonjour. Je viens voir Jack Meyer, s'il vous plaît. Attendez, je regarde. Il est marqué que les visites sont interdites pour ce patient. Comment ça? Et bien sûr, son vous dossier. Vous connaissez Jack Meyer? Oui, c'est mon grand frère. Lieutenant Broussard, police judiciaire de Mété. J'aurais quelques questions à vous poser, suivez-moi. Votre frère semble avoir un passé pour le moins étrange. Auriez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel chez lui ces derniers temps? Non. D'après nos recherches, il aurait fréquenté une fille qui aurait pu l'influencer. Mais l'influencer à quoi? Je cherche à résoudre le mystère de son accident. Vous savez, je m'inquiète pour votre frère. Et je voudrais l'aider. Mais Jack va bien? Non, il ne va pas bien. Et vous aussi, vous devriez vous inquiéter pour lui. Et je vous conseille de coopérer. Je sais qu'il coûtait une fille avant son accident, et je dois l'interroger. Je connais mon frère et il l'a côtoyé qu'une fille. Ah oui? Quel est son nom? Audrey. J'ai passé une super soirée. Moi aussi. Salut Jack! Salut! Hé, t'as vu ça? Bah quoi? C'est le Némésis, il vient de faire le même truc que toi la dernière fois. Mais de quoi tu parles? Mais si, ton coup de coude stupide là, de la dernière fois. C'est juste une coïncidence, on peut pas chercher plus loin. Mais oui, comme par hasard. En fait, ce mec, c'est toi, mais en plus fort, en plus courageux. Tu sais, Marion, des fois, il faudrait mieux te taire. Mais c'est bon, on te vexe pas. Puis je le dirai à personne, t'inquiète. Une foule brandissant des pancartes que vous pouvez lire « Mort au Némésis ». Oui, on va au casino avec ton père. T'as autre chose à me dire? Oui. Oui, je voulais te dire... J'ai trouvé un appartement. Mais où ça? Et tu pars quand? Pas très loin du centre-ville. Je pars la semaine prochaine. Où est ton chef? Je
je dirais rien. Il me buterait. Qu'est-ce que tu crois que je vais te faire? Toi? Qu'est-ce que tu vas me faire? Allez, vas-y, fous-moi tes poings dans la gueule. Quand tu l'as vu la dernière fois? Je l'ai jamais vu, je le jure. T'es oublié quelqu'un que tu connais pas? Il paye bien. Quelqu'un est en contact avec lui? Je dois déposer l'argent au casino à un mec qui m'attend derrière. Quand? Quand? Demain soir. Je vous respecte beaucoup. C'est pour ça que je ne vous dis pas tout. Il ne s'agit pas de tout dire. Seulement ce qui est important. Il est plus important pour moi que vous ne sachiez rien. Bon, c'est votre choix, Jack. Disons que... j'ai fait des choses. Bon, vous en dites trop ou pas assez. Ces choses sont-elles graves? Je vous mentirais si je vous disais qu'elles ne le sont pas. Mais il n'y a rien de moralement grave, si ça peut vous rassurer. Je ne suis pas là pour vous juger, Jack. Seulement pour vous aider, qu'allez-vous faire maintenant? Je vais mettre un terme à tout ça. Ce soir, au casino. Pourquoi ne pas aller voir la police? Un ami m'a dit qu'il ne fallait pas tout attendre de la justice. Et... un ami? Oui, enfin une connaissance récente. C'est une personne vraiment très intelligente. Et cette personne très intelligente vous conseille d'aller braver le danger? Personne ne me dit quoi faire. Qu'est-ce qui vous oblige à faire ça alors? La question serait plutôt, qu'est-ce qui pourrait m'en empêcher? Je ne vous reconnais pas, Jack. Je croyais que j'étais pas là pour être jugé. Alors arrêtez de penser je sais quoi sur moi. Je ne juge pas votre personne, mais vos actes. Je ne suis rien d'autre que mes actes. Soyez raisonnable. Ne faites rien d'insensé. J'en ai marre d'être raisonnable. Vous inquiétez pas, je m'en sors à chaque fois. Jack! Jack! Excusez-moi de vous déranger, j'aurais besoin de votre aide. Oui, monsieur, reprenez-vous, expliquez-nous calmement, qu'est-ce qui vous arrive exactement? Je suis psychiatre. Oui. Et je soupçonne un patient de vouloir se suicider. Au casino. Vous êtes sûr au casino? Absolument. Très bien, montez. Okay. Non, c'est pas plus, hein. Mais il faut le retrouver. D'accord, mais il ressemble à quoi votre patient, monsieur? Attends, on est observé. Il est grand, il a les cheveux longs et châtains. Couchez-vous, couchez-vous! Des coups de feu au casino, envoyez les renforts! Les mains sur la tête. Calme-toi, doucement. Allez, décale-toi. Doucement, doucement. Décale-toi doucement.
Allez, vas-y, doucement. Tu te décales. Doucement. Les mains sur la tête. Lève-toi, lève-toi, doucement. Garde les mains sur la tête. Garde les mains sur la tête, tu te décales. Décale-toi, dégage, allez. Décale-toi. Allez, décale-toi, dégage, allez. Décale-toi, t'as dit. Dépêche-toi, allez. Allez. Arrête-toi. Arrête-toi, je tire. Une ambulance de toute urgence au casino. Deux fois que vous me demandez la même chose, vous le faites exprès ou d'un moment, c'est pas possible. À la troisième, il y a peut-être un détail qui va vous revenir. Mais, sauf que vous êtes pas en train d'interroger un suspect là. Donc comme je vous l'ai déjà dit, j'étais là et le psy était là. Pourquoi il était là déjà? Mais je vous l'ai déjà dit, on l'avait amené parce qu'il nous avait dit qu'un de ses patients allait se suicider ici même. Et c'est en arrivant que, comme par hasard, vous êtes tombé sur la fusillade. Comment ça, comme par hasard? Oui, comme par hasard, et on a appelé les renforts. C'est juste qu'il s'est enfui. Voilà, ça c'est nouveau. Non, c'est pas nouveau, c'est juste que vous ne m'écoutiez pas depuis le début en fait. Et ensuite? Ensuite, bah, le Némésis était face à nous, le psy était par terre, on l'a sommé de pas bouger et il s'est enfui. Vous avez pas tiré? Mais bien sûr que si, j'ai tiré, mais d'ailleurs j'arrive pas à comprendre, je suis sûr de l'avoir touché, je comprends pas. Je peux retourner faire mon travail là ou? Son signalement? Ouais, en fait vous lâchez jamais l'affaire. Eh ouais. Ok. 1m90, 95 et on va dire plutôt athlétique quoi. Un signe particulier, une marque de vêtements, un accent. Ah oui, ouais. Je sais pas si ça a une grande importance, mais il avait une espèce de drôle de symbole au niveau de l'écharpe. Mm-hmm. Et il faisait son, donc j'ai pas bien vu, mais ça ressemblait à. Je sais pas comment dire, vous savez. Bah, de ce niveau. Ouais. Bon, on va dire que ça ressemble à ça, quoi. On dirait une fraction, 4 quarts. Ça vous dit quelque chose? Pas du tout. Ok, merci. Bonsoir. Bonsoir Jack. Voilà, on vient de courir un marathon. Vous êtes? Enfin, lieutenant Broussard, j'enquête sur la mort du docteur Fallon. Vous le connaissiez? Vous semblez très affecté par sa disparition. Vous étiez proche? Assez. Je vois. Où étiez-vous le soir du meurtre? C'est encore un peu confus dans mon esprit, mais... je pense que je me baladais en ville. Le GPS de votre téléphone indique en effet que vous étiez non loin des lieux de la fusillade ce soir-là. Vous m'espionnez? Bien sûr que non. Mais vous êtes sur la liste de ces patients. Et vous étiez proche du casino au moment de la fusillade. Que faisiez-vous là? J'ai un appartement de 20 mètres carrés. J'avais envie de prendre l'air. Je vois. Apparemment, le docteur Fanon était sur les lieux accompagné par deux policiers pour essayer de retrouver un de ses patients qui voulait se suicider. Vous êtes au courant de ça? Oui. Et merci pour votre franchise. Ça m'évitera de la paperasse pour vous tirer les verres du nez. Je me sens coupable. Quand je cherchais à mettre fin à ma vie, on mettait fin à la sienne. Et tout ça dans le même quartier. Vous n'avez rien entendu? Les infos... accuse le Némésis. Qu'est-ce que vous me voulez? Répondez à ma question.
Non. Non, j'ai rien entendu, non. Connaît-on les personnes impliquées dans la fusillade? L'enquête est en cours, mais pour l'heure, les notes du docteur Fanon seront plus bavardes que vous. Je vous tiens au courant, des suites du dossier. Je ne suis pas là pour vous dire ce que vous devez faire, Jack, mais pour vous aider à comprendre vos choix. Et vous allez faire les bons. J'ai confiance en vous. Qu'est-ce que tu fais là? Je t'ai appelé plusieurs fois, tu répondais pas. Je me disais que tu serais peut-être ici. Elles sont pas là. Qu'est-ce qui va pas? Tu veux plus de moi, c'est ça? C'est pas aussi simple que ça. Mais c'est pas de ta faute. Je te jure. Ah d'accord. Tu viens me faire le coup, c'est pas de ta faute, c'est la mienne. Je suis pas un mec assez bon pour toi, c'est ça? Écoute, je voudrais qu'on prenne nos distances quelque temps. Attends, tu me proposes de faire un break, là? Si tu veux plus de moi, t'as qu'à me le dire, on s'arrête là. C'est pas ce que j'ai dit. Au contraire. Le problème, c'est que... Il y en a une autre, c'est ça? Mais non. C'est juste pas le bon moment. Voilà tout. Pas le moment? Écoute, si je pouvais faire autrement, je le ferais. Tu peux pas me demander d'attendre sans aucune raison, Jack. C'est vrai. Et j'aurais pu inventer une raison bidon pour me débarrasser de toi, mais je l'ai pas fait. Parce que c'est pas ce que je veux. Moi, j'aurais une raison de pleurer. Non, arrête. Je suis désolé, Audrey. Monsieur Meyer, vous tombez bien. Vous vous reposez jamais, vous. J'ai oublié de vous demander votre avis sur le Nemesis. J'ai pas d'avis. Que pensez-vous de ces actes? Je crois qu'il se fait justice lui-même. Enfin, je suppose. Vous pensez donc qu'il a raison de faire ce qu'il fait? Vous savez qui a tort, qui a raison.
de l'intérieur devrait apparaître d'une minute à l'autre et nous pourrons sans doute en apprendre davantage sur cette sombre affaire. Que celui qui se fait appeler le Némésis est derrière tout ça. Mais pourtant, toutes les vidéos de lui, ça montrait un justicier plutôt qu'un meurtrier. Cet homme est un anarchiste. D'après vous, quelles seraient ses motivations? Une conférence de presse. Aura lieu lundi prochain afin de diffuser toutes les informations que nous avons. Je vous remercie. Tout concorde et pourtant pas l'ombre d'une preuve. Jack Meyer est le suspect idéal. Si seulement on avait un élément solide pour le foutre en garde à vue. En fait, on a trouvé un lien avec cette Céline interpellée sur les lieux du braquage. Tout laisse à penser qu'ils ne se connaissent pas. Aucun lien téléphonique, relationnel ou professionnel. Ouais, mais c'est pas parce qu'on le trouvera qu'il y en a trouvé. S'il y avait quelque chose entre eux, on l'aurait déjà découvert. Hein. Ou alors ils sont très discrets. Mais ils ont à peu près le même âge, non? Ça fait déjà un bon point commun. Et les autres pistes, on arrête les recherches? Bah, continuez si vous voulez. Mais moi, je lâcherai pas ce type. Jusqu'à ce qu'il se jette dans la gueule du loup. Ouais. J'ai bien peur que ce soit à nous d'aller le débusquer. Il est plus malin que ce que laissait présager ses vidéos sur Internet. Ses coups sont pensés à l'avance. C'est comme ce 4 sur 4. Comme un joueur d'échecs. 4 sur 4 ou genre du 4 40. Peu importe. Selon moi, il y a deux façons plausibles de lire ce sigle. Je vous écoute. La première, c'est 4 sur 4. La fraction d'un des bons vieux cours de mathématiques. 4 divisé par 4 donne 1. Le seul problème, c'est à quoi 4 fait référence. S'agit-il de 4 personnes, 4 objets, 4 objectifs dans le but de donner un idéal? Toutes les hypothèses sont possibles. Non mais là vous allez trop loin, il me faut du concret. Décrypter son sigle, c'est décrypter son profil psychologique. Déjà il marque ses actes, c'est la preuve d'une personnalité égocentrique. Ok, mais continuez sur cette voie. De mon côté je vais contacter cette Céline. S'il n'a pas de lien avec ce Jack Meyer, elle pourra au moins nous être utile à Céleste Enfoiré. Monsieur le ministre, Johanna Lang pour MeTV. Monsieur le ministre, que savons-nous sur le présumé coupable, ce fameux Némésis? La police sur place l'a formellement identifié. Et arrêtons d'appeler cet homme le Némésis. Cet homme est un hors-la-loi, un désaxé, qui par ses agissements insensés fait régner le chaos. Monsieur le ministre Louise Adriane pour News 9. Comment cet individu a-t-il réussi à échapper aux forces de l'ordre? Certains évoquent l'hypothèse qu'il aurait pu bénéficier de l'aide d'un agent de police. Je vais être très clair sur ce point. Cet homme est un loup égaré. J'ai pleinement confiance en nos représentants de la loi. L'individu avait, semble-t-il, parfaitement préparé son coup. Mais ce sera la dernière fois. Savons-nous pourquoi il a tué cette personne? Cela a-t-il un rapport avec son métier de psychologue? Vous savez, nous avons affaire à un homme dérangé. Mettre un sens à ses actes ne ferait que lui donner du crédit. Son profil psychologique est celui d'un sociopathe en quête de reconnaissance. Tuer Ramsey est peut-être pour lui un acte symbolique, mais nous n'en sommes pas au stade des hypothèses. Son acte reste inexcusable. Monsieur le ministre, comment est-on sûr que ce soit bien lui l'auteur du coup de feu? Nous savons qu'il était caché derrière l'arbre au moment où il a ouvert le feu. Mais d'après le rapport des experts, le tir venait de l'entrée du parking. Oui, effectivement, il était à l'entrée du parking. Il a tué l'individu avant de lui faire les poches. La police est arrivée à ce moment-là, entraînant la fuite du meurtrier. À
Cet homme donc court toujours. Quels sont les moyens mis en place pour l'arrêter ? Toutes les forces de police ont été mobilisées. Il est hors de question de laisser agir cet individu à sa guise. Je voudrais que tout le monde prenne cette menace très au sérieux. Cet homme est l'ennemi public numéro un. Une dernière question ? Monsieur le ministre, ne craignez-vous pas une prolifération de ces actes, une épidémie de pseudo-justiciers ? Compte tenu du succès de ce némésis parmi certaines franges de la population, ne doit-on pas redouter une forme de collaboration populaire ? J'ai pleinement confiance en nos concitoyens. Mais quoi qu'il arrive, rappelons-nous de l'histoire. Les collaborateurs seront traités comme l'ennemi. Et les pseudo-justiciers ne feront pas de pseudo-prisonniers. Croyez-moi, je vous le garantis. Merci. On va avoir besoin de plus d'hommes. Démerde-toi. Qu'est-ce que vous foutez là ? Vous faire sortir de prison n'a pas été une mince affaire. Mais vous y remettre sera un jeu d'enfant, messieurs. Alors maintenant, on s'assoit et on l'écoute. Qu'est-ce que vous nous voulez cette fois ? Besoin de bouc émissaire pour faire votre sale boulot ? Il me faut des hommes comme vous pour assurer un travail d'intérêt général. En fait, vous voulez qu'on tourne à la pousse de la mairie ? Ferme ta gueule, child. Vous n'avez pas l'air de brave toutou obéissant. Dommage. Vous souhaitez bien du courage pour assurer vous-même votre protection, dorénavant. Vous avez besoin de nous ? Des rigolos comme vous, j'en ai l'appel. Difficile à croire, vu tout le mal que vous êtes donné pour nous faire sortir de tôle. Les temps sont durs pour tout le monde, on dirait. Vous jouez à un jeu dangereux. Oui, mais avec vos règles. Soyez de bon larbin et tout le monde y gagnera. Bon, c'est quoi le deal ? Le ministre de l'Intérieur organise, jeudi prochain, une réception avec tout le gratin politique. Et en quoi ça nous concerne ? Il me faut des hommes comme vous pour assurer la sécurité. Vous avez besoin de babysitter, ouais ? Protéger le cul des richards qui dépensent leur fric dans des soirées mondaines ? Ça fait pas vraiment partie de nos attributions. Et mettre la main sur l'enfoiré qui vous a envoyé en tôle. Ça fait partie de vos attributions ? Faut prendre le train en marche, messieurs. Considérez ça comme une promotion. Et Céline Caron ? Il n'y avait personne d'autre sur ma liste. Bien. Vous recevrez vos instructions dans quelques jours. D'ici là, messieurs, tâchez de ne pas vous faire remarquer. Qu'est-ce que tu fous là, toi hein? Laisse Céline tranquille. Mais t'es venu chercher ta chérie, toi, c'est ça? Je me répéterai pas. Mais ta copine ne veut pas de toi. T'as pas compris, ça? Y'a personne qui la retient ici. Alors dégage de là. Et qu'est-ce que tu vas faire, là, maintenant hein? Céline, je la prends quand je veux. Je l'ai baisée autant de fois que ça. Ne l'approche plus jamais! Mademoiselle Caron, savez-vous pourquoi elle vous s'est fait venir ? J'imagine que c'est un rapport avec le braquage. Exact. Mais à vrai dire, cette histoire est presque anecdotique au vu de la vraie raison qui m'a poussé à vous voir. Mais quelle est cette raison exactement ? Mon jugement n'a lieu que dans 5 ans. Je vous rappelle que vous êtes en liberté conditionnelle et ça m'autorise à vous interroger sur cette affaire. J'ai besoin de savoir quelles étaient les personnes présentes à ce braquage. Vous avez déjà tout arrêté, qu'est-ce qu'il vous faut de plus ? Pas tous. L'un d'entre eux manque à l'appel et je le veux. Je n'ai pas d'autre nom à vous donner. Alors c'est moi qui vais vous en donner un. Némésis. Je ne connais rien
sur ce type. Vraiment? Ne fait-il pas partie de votre petite bande de délinquants? Absolument pas. Il était présent sur les lieux du braquage ce soir-là? Que faisait-il? Aucune idée. On vous a vu lui parler. Vous étiez même assez proche pour lui rouler un patin. Il faisait nuit. Vous le connaissez, mademoiselle Caron, et vous cherchez à le protéger. Je le connais pas. Sachez que je mettrai la main dessus avec ou sans votre aide. Mais on a tous les deux les gagnants. Pour moi, du temps, et pour vous. Votre futur est plus qu'incertain et votre passé ne va pas vous aider. Coopérez, et je vous promets que tout ça sera des sur l'ancienne. C'est du chantage. C'est un marché. Juste un nom, et vous êtes libre. Je vous l'ai déjà dit, je le connais pas. Donc, vous l'avez vu. Revenez demain. Je serai là avec un dessinateur pour faire un portrait robot. Revenez me voir quand vous aurez pris la bonne décision. Ça va, ma belle? Mais t'es fou de m'appeler ici. Je viens juste de sortir du commissariat. Je sais bien. C'est pour ça que je t'appelle. T'es pas en prison? Eh non. C'est l'avantage de connaître du monde. Ouais. Dis-moi, chérie, qu'as-tu raconté aux flics? Pas grand-chose, ils voulaient juste que je leur raconte une nouvelle fois la scène du braquage. C'est étrange, non? Bah ouais, surtout que je leur ai déjà raconté plusieurs fois. T'as rien dit, j'espère? Bien sûr que non, tu sais que tu peux me faire confiance. Bien. J'ai une mission pour toi ce soir. Tu veux en être? C'est quoi le plan? Je t'adore. Rejoins-moi à la planque ce soir. Je vais tout t'expliquer. Ok, j'arrive. Les deux, c'est foutu. Mais qui? Mais Paul, les flics, tout le monde. T'es dans la merde, Jack. Faut que t'arrêtes tes histoires de Némésis. Mais Céline, j'ai confiance en toi. Le Némésis, il est en sécurité. On parle à la troisième personne maintenant, mais ça devient grave, hein. Et tu vas me dire ce qui se passe? J'étais chez les flics tout à l'heure et ça chauffe pour ton cul, Jack. Tu leur as dit quoi? Rien, t'inquiète. Mais je devrais. Céline, je vais pas mourir, le Némésis, il est plus intelligent que ça. Mais tu m'inquiètes à parler du Némésis comme si c'était quelqu'un d'autre. Tu vas le dire encore plus fort. Il y a du nouveau avec Paul. La bande a été recrutée pour faire un truc énorme. Mission spéciale. Faire la sécurité sur une soirée de bienfaisance. Paul fait dans l'humanitaire maintenant. Et qu'est-ce qu'il y a d'énorme là-dedans? Bah, il y aura tout le gratin de Mété, ce sera très bien payé, et il y aura même le ministre de l'Intérieur. C'est où et c'est quand? Je peux pas te le dire, Jack. Tu comprends pas que tu vas mourir si tu continues. Alors pourquoi tu me racontes tout ça? Je sais pas. Est-ce qu'il faut que j'y aille? Céline, tu peux m'aider. Tu dois me dire où se passe cette soirée. Fais confiance en moi. Qu'est-ce que tu lis? Black Boy Richard Wright. C'est qui ce débile? Tu me le rends s'il te plaît. On t'a jamais appris à partager? Elle est fille. Céline sans famille veut me frapper. Sauf que tu le feras pas. T'imagines que t'es aussi lâche que ta mère? Thank you.
pas réussi à me contrôler. Je sais. Cette salope l'a vraiment mérité. Elle m'a T'as pas besoin de se justifier avec moi, Céline. Merci, Daddy. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Aucune idée. Qu'est-ce qu'on peut faire sans argent? J'ai bien une solution. J'ai rencontré des gars qui m'ont mis sur un plan pour gagner du fric. On peut le faire ensemble. Propose quoi? Je vais t'expliquer. Comment tu t'es fait ça, toi? Lâche-moi. Fais ton taf. Fais ton taf. Qu'est-ce qu'on fout là? Je suis pas le toutou du ministre. Ah, mais avec tout ce beau monde, le Némésis sera peut-être du mal à faire la fête, non? Tu penses qu'il va venir? J'en sais rien. Et pourquoi faire appel à nous avec autant de flics sur place? C'est pas clair. Bonsoir Madame le Maire, bonsoir Mesdames, bonsoir Messieurs. Nous sommes désolés pour ce léger retard. J'espère que les délicieux petits fours vous auront aidé à patienter. J'ai le plaisir de vous annoncer l'arrivée du ministre de l'Intérieur, Monsieur Lannister. Merci, merci, merci beaucoup. Merci, merci d'être là, bonsoir. Je suis particulièrement attentif à vos manifestations de joie. Elles s'inscrivent dans notre mouvement pour le bien-être de notre pays et pour cette ville qui a tant souffert. Si je vous ai convié ce soir à cette fête de charité pour la reconstruction des quartiers nord de Mété, c'est aussi pour que tous nous nous félicitions du travail qui a été accompli. Nous avons tous œuvré pour faire reculer la criminalité, pour dire non à la pauvreté. Récemment, nous avons été frappés par un nouveau fléau, celui d'un criminel qui, face à notre mobilisation, a décidé d'appliquer sa propre justice. Nous devons de nouveau faire front, faire barrage, et nous ferons tomber, avec lui, tous ensemble, les assassins de cette belle République. Mais ce soir n'est pas à la guerre. Je voudrais que l'on profite de cette délicieuse soirée et que l'on se sente tous réunis, solides, confiants et solidaires. Je vous remercie. Discours de futur président. Ah, c'est d'hommes comme vous dont nous avons besoin pour redresser ce pays. Merci, merci. Ah, mais vous savez, je ne suis pas seul. Nous avons fait... Je suis désolée, monsieur le ministre. Ça va, pas de soucis, pas de soucis. Veuillez m'excuser, je reviens. C'est toi qui as embauché cette serveuse? Non, moi je n'ai pris que Paul et ses hommes. Ils sont où d'ailleurs? Ils sont en train de surveiller les entrées là, actuellement. Tiens dans le coin. Ciao. De toute façon, ne vous inquiétez pas, ils ont pour ordre de débarquer si on perd le contact visuel. Tiens, le chum quand même. Bon. Allez. T'es ok? T'es ok? Oh, allez, 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 allez.
J'ai une photo de votre garde du corps en train de tirer sur le psy. Et comme par hasard. Nous savons qu'il était caché derrière l'arbre, au moment où il a ouvert le feu. Comment pouvez-vous savoir si vous n'étiez pas là? Et tu crois que tu vas m'inculper avec ça? Non. J'ai assez d'éléments trop grands pour faire ouvrir une enquête. Et vous rendre coupable auprès du public. Le peuple et les médias se chargeront de faire justice. Pourquoi vous faites ça? Pour rentrer dans l'histoire, que demander de plus que de devenir l'homme qui va sauver le peuple du crime et de la violence. Contrôlant la mafia, la police, je crée l'histoire que je veux. Vous allez vous dénoncer ou je vous y contrains. Tu crois que le peuple réclame la justice? Tu crois que c'est le bien contre le mal? Les gens s'en foutent. Ils veulent leur bien, leur justice. Il suffit de leur donner cette illusion pour leur ôter l'envie de se révolter. Et les choses vont changer! Le peuple te détestera quand il aura décidé que tu gênes son confort de vie. Tu ferais mieux de rentrer chez toi, pousser ton petit coup de gueule sur Internet et oublier tout ça. Il est là! Vas-y, retire-lui son masque! On va étudier des unités à sa poursuite. Sagement à l'intérieur comme on l'avait convenu. Je pouvais pas te laisser seul, ils sont tous à tes trousses. Et où tiennent maintenant? Allô? Ah ok, parfait. Merci. Bon, bah, je pense que vous avez été au bout de votre entêtement. Et maintenant, plein nous savoir. Les indices sont prêtes. Aucun lien de parenté ne peut être établi. Ouais, le portrait robot fait par un inconnu. Viens avec moi, on peut encore s'échapper. C'est ça que tu veux? Vivre comme un fugitif dans l'ombre? Si c'est avec toi, oui. Ils pourront pas me retrouver, j'ai laissé du faux sang dans la réception pour brouiller les pistes. Jack. L'étau s'est trop resserré autour de toi. Céline. L'inspecteur m'a demandé de faire un portrait robot du Nemesis. Il sait que je l'ai vu. Tu vas pas. Tu m'arrêtes pas de vivre comme un paria. Je vais faire un faux portrait. Tu vas finir en tôle. T'inquiète pas. Il m'a promis une remise de peine si je collaborais, je vais le faire.
tu veux m'aider, faire un portrait robot de femme. S'il n'y avait pas eu toute cette histoire, si le Némésis n'existait pas, on serait ensemble. Comment vous avez fait pour falsifier les preuves ? Vous allez m'accuser de ça maintenant ? Vous allez pas enfin reconnaître vos torts ? Une femme seule n'aurait jamais pu me mettre un truc à tout. Parce que moi j'aurais pu. Je sais que c'est vous. Et je découvrirai comment vous avez fait. Ça devrait enfin vous convaincre ? On n'a pas donné signe de vie depuis plusieurs semaines. On vient de l'apercevoir dans le quartier du Croissant d'Or. Chevauchant sa moto noire. Je croyais que c'en était fini de ce salopard. Tu devais pas t'en occuper. C'est incroyable. J'ai pas pu m'en occuper, Broussard était collé à lui. Cet enfoiré en sait trop. Il peut prouver que j'étais au casino. S'il envoie tout au journaliste, je suis dans la merde, t'entends? Je suis dans la merde. Et qu'est-ce qu'on va faire alors? C'est pas toi de trouver les solutions. Je vais m'en occuper de ce salopard. Il va relancer les équipes. On va la voir. Nous allons continuer à vous donner. Il faut désamorcer ses preuves avant qu'il n'agisse. Je suis désolé. Il faut que quelqu'un porte le chapeau. C'est dur de réaliser que quelqu'un d'aussi proche et en qui j'avais confiance puisse être impliqué dans de sombres histoires. Mais quand j'ai découvert le poteau rose et qu'il m'a menacé de mort, je n'ai eu d'autre choix que de me défendre en lui tirant dessus. Je vois déjà certains journalistes émettre des doutes. Moi-même, je me surprends à avoir été dupé comme ça. Merci, je vous remercie. Pas de questions. Nous venons donc d'avoir la déclaration du ministre de l'Intérieur concernant le meurtre de son garde du corps. D'après son avocat, il semblerait qu'il s'agisse de légitime défense. Nous entendons déjà certains sceptiques revendiquer une justice pour tous, mais cette décision sera celle du juge. C'était Johanna Lang pour MeTV, à vous l'antenne. Si vous nous rejoignez à l'instant, nous venons d'entendre le Premier ministre. Détendez-vous, lieutenant. Après tout, ce Jack n'est peut-être pas la personne que l'on cherche. J'étais à deux doigts de le coincer. Où est-ce que j'ai merdé? Si tu négliges une piste. Peut-être est-il tout simplement innocent? Non, il ne l'est pas. En tout cas, il a raison sur un point dans cette histoire. Qui a tort, qui a raison, difficile à dire. Donnez-moi vos notes. Quatre quarts. Putain, l'enfoiré. T'as
T'as vu la conférence du ministre? C'est toi le Némésis maintenant. Tu sais ce qu'il te reste à faire? Le Némésis n'est personne. Il est tous ceux qui se donnent la peine de l'être.